De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue! Une autre émission de quoi tu parles de mon nom est Nicolas Monette! Et moi, Marc-Antoine Joly! La table, c'est Mia Chéquier! Oui! Hey, que bye! T'étais tellement primé, t'as fait bouger la cage! La cage! Moi, j'étais pas primé, j'étais un patent primer! Oh, ouais! Une canne! Moi, on niaise pas. J'ai dit cage, puis je voulais dire table, puis en disant cage, je me suis dit, ça serait vraiment drôle qu'on fasse notre émission dans une cage. T'as-tu géré un chien quand t'étais jeune? Oui. Est-ce que tu t'embarrais souvent dans la cage? Pas embarré, mais j'ai déjà été dans la cage. Mais je te dirais qu'on n'avait pas. La cage n'a pas duré longtemps quand j'étais jeune avec le chien. Fait que okay. C'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup, mais je l'ai fait chez d'autres personnes qui avaient des chiens. Oui. On c'est espère. C'est devenu très louche. On espère. Tout à coup, très vite. D'autres humains qui avaient des cages. En tout cas, je sais pas comment je peux m'en sortir de celle-ci. Non. Je vais transitionner dans un segment. C'est la première chose que tu m'as dit en arrivant ce matin. Oui. Hey boy, t'as un coup de soleil. Ah, oh, coup de soleil, c'est même pas le mot. J'essaie d'expliquer mon coup de soleil. Je suis allé en Acadie. En fait, c'est quoi? C'était pas un coup de soleil que t'as. Le soleil t'a sacré une volée. C'est ça que c'est passé. Je suis allé en Acadie pour la fin de semaine voir ma famille. Je suis dans le coin de Bouctouche et de Shediac au Nouveau-Brunswick. Oui. Pays de la Sagouine aussi, j'y étais. De belles places, oui. Aller au Pays de la Sagouine, c'est le fun. Maintenant, réaliser que l'île aux puces, c'est pas des puces dans des cheveux, c'est vraiment de l'herbe à puces. Et voilà, faut faire attention à ça aussi. Puis il y a un quai flottant qui est vraiment comme le fun. Tu peux comme sauter dessus puis ça wave un peu. Ah, c'est ceux qui sont comme super flexibles? Non. Okay. Ben, il est quand même assez rigide puis il est comme un kilomètre de long. OK. Ouais, un kilomètre, ça serait bizarre. C'est exagéré. C'est vraiment comme 200 mètres. 200, OK. Mais ouais. J'aime pas ça marcher. Non, c'est long, ça. Longtemps. Pour toi, c'était comme un tout kilomètre. Tout ça pour dire, je portais un three-quarter sleeve, un jersey, tu sais, comme les chandails de baseball. Tu sais, t'as une couleur de manche, t'as une couleur de torse. Chandail à balle molle. C'est ça. Fait que j'avais ça, fait que je suis brûlé exclusivement à partir de la mi de l'avant-bras et sur le top des mains. Oui. C'est comme un farmer's tan manqué, oui. Solide. Ça, je te dirais que ça a bien vieilli. Ça, ouais. T'es correct. Ma face aussi. Ta face aussi, mais ton cou... Mon cou est roux. Ton cou est mort. Ouais, ouais, t'as ouais, presque ouais. Plus de cou. Honnêtement, j'ai peur pour ton cou. Je suis rendu à la place où que je suis en train de vider mes bouteilles d'Avino tellement que je m'en mets dans la nuque. Et tomber à dormir, c'est la pire chose qui existe. Aussi quelqu'un de poilu. Oui. Et je sens ma peau comme cassée autour de mon poil de cou. Oh, mais qui oui. Est vraiment mes cheveux. Là. Quelle belle image pour les gens qui nous écoutent. Oui. Vive la francophonie canadienne. Est-ce que tu te mets de l'aloe ice, le vert? Tu te dis... L'aloe ice. Tu te dis Avino, mais... En tant que roux, je suis expert sur la matière. Parfait. Le soleil oui. Ne m'aime pas. Oui. On a un conflit oui, d'intérêt dramatique majeur. Oui. Depuis que je suis jeune. Je suis notamment allergique au soleil. Je sors dehors, j'éternue l'été. C'est hyper le fun. C'est-tu, le monde pense vrai, que ça? C'est le pollen. Moi, c'est juste, non, le soleil est trop fort aujourd'hui. Apichou, mon minou. Puis c'est ça. L'aloe ice, pour moi, ça fait du bien. Oui. Mais on dirait que la rougeur reste. Oh, la rougeur va rester, mais est-ce que ça l'apaise, la douleur? Moi, je suis pas là pour apaiser. Moi, je suis là pour que ça part. Je comprends. Puis je vais pas mettre deux couches de crème. Non, OK. Fait que c'est toi, t'as décidé Avino, aloe ice, t'as choisi Avino. Oui. Oui. C'est juste triste pour toi parce que l'aloe ice était moins cher, je pense. Ouais, mais t'as toujours des bouteilles d'Avino chez vous. Puis tu sais jamais, ils sortent d'où. Ça, c'est vrai. T'es comme, j'en ai trois en dessous de mon comptoir, dans la chambre de bain, puis je sais pas, j'en ai jamais acheté. Toi, je te dirais, ça vient probablement d'un bon Noël en quelque part. Vraiment. Sûrement. Oui. Barrage, comme, mets-toi ça dans la face avant de dormir. Non. Oui, puis tu vas jamais le faire. Non. Fait que tu te l'as mis dans le cou avant de dormir. Fait que c'est ça. L'été, pour moi, c'est des coups de chaleur. Oui. Et des brûlures de nuque. Moi, l'été, je cherche de façon très audacieuse et importante ce qu'on appelle l'ombre. Oui, hey, que l'ombre. On peut-tu parler de l'ombre? L'ombre, là, meilleure c'est... Meilleure invention de l'homme, je dirais. Après la roue, oui, l'ombre, l'ombre est, juste après. Là. Oui, la roue, les roues, puis après ça, l'ombre. Mais pour vrai, c'est tellement important... De se mettre à l'ombre, de faire attention, de se mettre de la crème solaire. On sous-estime le soleil. Le soleil est traître parce qu'il y a bien du monde qui l'aime. Oui. T'sais, on aime
évidemment, c'est vitamine D, hein, je crois, oui. Le soleil. On s'est toujours trompé avec la vitamine C, mais vitamine C, D, whatever, il donne de la vitamine. Non, oui. Pas, moi, je me suis trompé. Ouais. Et plusieurs gens de mon entourage qui expliquent pourquoi je me suis trompé. Et on a besoin de ça, mais en même temps, t'as besoin de ça autant qu'un coup de soleil, tu sais. Oui. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ça. C'est super important. Le soleil, l'été, oui. Très déplaisant en auto. J'ai fait 12 heures de char pour me rendre en Acadie. Oublie ça. Je dirais que me faire cuire au soleil direction ouest ou est, peu importe, avec le gros soleil à 30 degrés, je le vivais pas bien. Ben, personne, en fait. Puis j'avais acclé mon masque. J'étais comme, hey, il fait chaud. Ouais, puis même à ça, c'est des fois, c'est pas assez. Surtout non. Quand tu roules beaucoup, parce que ton auto, il est comme... Oui, je te donne l'air clim, mais je fais aussi beaucoup d'autres tâches en ce moment. Fait que donne-moi un break. Mais non, t'as raison. L'ombre. Le petit vaseux, là, il fait pas la job, là. Ouais. Puis là, j'aimerais faire un quiz. Oui. Pop-pop-boom. Segment quiz. Super intéressant, super pertinent pour nos invités d'aujourd'hui. D'accord. De Simon, Martin, Yann, Patrick et le petit Brandon. Oui, Brandon, aussi connu sur Brandon Jabbar. Non, Brandon. Brandon. Qui est le plus tolérant au soleil? Parce que je pense qu'on pourrait dire... Oh, Yann. Oh, ouais! De loin. Yann, il a une peau de cuir. Oh, ouais! Oh, ouais, oui. Moi, c'est pour dire, petit gars de plantage, pas fait fort, ça. Non, non, fait très fort. En fait, il travaille dehors tout le temps. Moi, j'aurais dit Brandon. Pas pourquoi? Brandon, il doit être pas pire au soleil aussi. Je te dirais que Mart... Non, oublie ça. Simon aussi. Aucunement. Simon et... Non. Patrick, we are the same, we are the people. Oui, oh oui. Ça aussi. Fait que je te dirais, c'est Yann. We are the world. You are the world. mais oui, Yann. Absolument. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, dans cette transition un peu tout croche, on vous fait un best-of des moments spéciaux avec les Rod Swamp qu'on a eu tout au long de l'année. Puis quelques belles petites nouveautés. Mais on vous dit, c'est pas trop. On garde ça secret, secret pour plus tard. Aujourd'hui, l'émission de quoi tu parles de? Les rats de Swamps, les carottés en jeans serrés. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De? Moi, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu as rencontré Mark? Comment est-ce que tu as rencontré Yann? Ce début-là des rats, on sait que c'est vous trois. Mais d'où est venue l'idée de, un, partir le groupe, et de, deux, comment est-ce que j'imagine t'as rencontré Mart avant Yann, parce que géographie, tu sais, t'es mis un peu plus proche que Plantagenet. vraiment, comment que j'ai rencontré Mart en premier, j'avais commencé à sortir mes affaires de stylo, puis il m'avait envoyé un message. OK. Puis on était au jeu franco-ontarien à Sturgeon. Je pense que c'était les 23e jeux. Ouais, on a joué, là. Oui, on avait. Fenn avait joué, là. Vous avez fait le drop du rideau. Vous avez essayé de faire le drop du rideau avec les risers qui étaient un peu weird. Ouais. ça a marché. Semi. Puis là, après le show, Mart, il vient me voir. On était comme à table de merch. Puis il est comme, hey, toi, tu déménages à Ottawa l'année prochaine, hein? Je suis comme, ouais. Il est comme, tu veux-tu être coloc? J'ai besoin d'un coloc. C'est comme la deuxième fois qu'on s'est parlé. Fait que là, je déménage à Ottawa avec ce gars-là, puis je le connais pas plus que ça. Fait que sur le cours d'un an, on apprend à se connaître et à jaser un petit peu. Puis on a enregistré des vidéos YouTube de lui puis moi qui jamais des reels. Okay. Fait qu'il y a comme des premières vidéos des gars, c'est moi puis Martin. Martin à la guitare en train de jouer des accords. Je me souviens de ça. Ça existe encore quelque part. Moi, j'ai appris que Martin jouait bien de la guitare avec ces vidéos-là, puis j'étais dans un band avec. J'étais comme, depuis quand tu joues bien la guitare de même? Je savais qu'il en jouait, mais pas à ce point-là. En tout cas, continue, excuse-moi. Ouais. Ah, ben, pas grave. Fait que là, il a fait, ben, ça serait le fun d'en faire un projet de trash. J'ai fait, ouais, let me know si ça donne. Là. Puis dans le temps, je pensais pas plus que ça. Puis là, Martin, je pense qu'il avait comme gardé. Il avait gardé ses yeux ouverts là, pour un autre morceau, tu sais. Oui. Fait que là, on s'était fait appeler. Non. Je pense que ça, je me rappelle pas c'était quoi l'ordre exactement, là, mais à un moment donné, c'était un festival de Idole Saint-Jean, puis Martin filmait. Puis moi, j'étais là, mais je sais pas pourquoi j'étais là. Je pense que j'étais juste là pour le fun parce que Martin était là, puis il m'a donné une ride. OK. Puis Yann, il a gagné le concours de chant. Fait que Martin est allé l'approcher, il a comme un peu demandé s'il voulait travailler ensemble. Cherche un coloc, toi, l'année prochaine? T'en vas-tu à Ottawa? J'en ai un, je vais me débarrasser. Fait que là, j'ai... Ouais, puis là, c'était comme... La Saint-Jean d'après, Hakim Ouellet faisait un de ses premiers shows en tant que Dylan Desbiens. Oh, quelle époque! Son backup band, c'était moi, Yann et Martin. Malade. Au drum. Puis JCL à la base, actually. Je pense oui, que okay, là, oui. C'est,
Fait que moi au violon, Martin au drum, Yann à la guitare, puis JC à la bass. Puis Hakim, il était là, puis il faisait ses tunes. Puis je pense, après ça, on a fait « Ah, ben pourquoi pas qu'on... » Nous autres, on s'entend bien, on va aller jammer. Puis là, Yann est venu chez nous. Non, Yann n'est pas venu chez nous, parce que moi et Martin, on n'habitait plus ensemble à ce point-là. Mais en tout cas, c'était comme un... En gros, ça, c'était comme une couple de rencontres cachées, puis un backup band. Puis là, on a fait « OK. » Le backup band de Martin Dylan nous envoie un message. Il dit ouais, contacte Ottawa, là, ça s'en vient. Ça vous tenterait-tu de monter quelque chose, un petit démo? Et là, il fait OK, ben, il y avait eu l'idée de faire l'histoire avec le compte. On s'est échangé un couple de courriels. Fait que là, on est allé se cacher à Pouvoirie du père de Yann. Mm. Puis on a monté un démo de 3-4 tunes acoustiques du père Garneau en comme 2 jours. On a soumis ça, puis ça a comme pas arrêté depuis. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De la royauté aujourd'hui à l'émission. Membre fondateur de plusieurs cover groups, dont Plume la Traverse, Deux Saisons et Garoulou. Un homme qui joue de la bass, qui a une belle barbe, mais qui a le cœur sensible. T'as invité aujourd'hui à De quoi tu parles de Martin Rochelot, ça va bien? Salut les boys, ça va bien vous autres? Yes. Ah, vraiment bien. Moi, je trouve ça drôle, vous appelez le cover band de Deux Saisons. Parce qu'ils font tellement plus de tunes que ça. Ils ont fait 3 tunes de Deux Saisons. Même pas, je pense. Tu sais, 2 tunes, Marthe? Ouais, mais... On va dire 2. Pour pas être trop loin de 3, on va dire 2. Pour boire? Ouais. Oui. Les Raph Band, bof. C'est pas leur tune. Non. Ça compte pas. Ouais. Moi, ça compte zéro pour selon moi. Pour les franco-ontariens, ça compte. Je comprends. Pour quelqu'un, mettons, qui manque le fait de savoir que c'est pas leur tune. Oui, oui. Moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour dire du monde non cultivé, mais c'est correct. Mais je sais pas si c'est quelque chose que je t'ai déjà dit, mais je trippe sur Akoufen. Quand je me souviens d'être au secondaire, puis Akoufen, c'était comme les rockstars de ma vie, genre. J'étais comme nice. Puis je me souviens que vous êtes venu faire un spectacle au Relais Alexandria. J'étais en 9e année. Tu sais, j'étais encore jeune, je connais pas toutes les chansons au monde. Et j'étais full influençable aussi. Full influençable. Vous avez fait un cover de Bob Epine. Et moi, j'étais persuadé que Bob Epine, c'était une toune d'Akoufen. Et ça m'a pris un bon 2 ans avant que quelqu'un me dise « Non, c'est pas Akoufen qui chante cette chanson-là. » C'est quand même c'est drôle, ça. C'est 2 saisons. C'est parvenu à 2 saisons. C'est tout le temps. C'est tout le temps 2 saisons. Mais aujourd'hui, ce que je trouve qui va être intéressant, c'est d'aller peut-être au tout début de ça. Parce que c'est pas quelque chose que t'as peut-être eu la chance de vraiment parler. Je sais qu'on en a discuté quelques fois avec... parce qu'on a reçu les rats, bien évidemment. Oui. On n'a pas dit, mais Martin Rochelot, bassiste des rats, membre fondateur. Oui. Et aussi, quand même, leader du band et du projet et tout. Mais là, de commencer, mettons, chez vous, je sais qu'il y avait beaucoup de musique qui se passait, mais c'est quoi qui t'a décidé de prendre un instrument? Puis c'était quoi? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Moi, j'étais un grand fan des Backstreet Boys. OK. Okay, c'était quoi? Un fan des Backstreet Boys, chose qu'on savait, bien évidemment, de Martin Rochelot. C'est vrai, c'est vrai. J'ai mon t-shirt, là, j'ai mis un par-dessus pour cacher mes colliers. Il y a toujours c'est sa camisole. Le chandail des Backstreet Boys, c'est la camisole de Rochelot. C'est drôle. Mon pyjama. Fait que c'est ça. Puis j'avais, à ce moment-là, un VHS des Backstreet Boys en spectacle. OK. Wow. Et dans le spectacle, Nick Carter faisait un solo de drum. Puis là, moi, j'avais appris quelques beats, j'ai vu le VHS par après, et puis ça m'a pris une journée à reprendre son solo de drum, à l'imiter. Fait que je me suis dit, c'est soit moi qui ai du talent, ou lui qui en a pas ben. C'est là que je m'en allais. Quand un jeune de 8 ans frappe ton solo de drum, tu sais. Mais en là, même temps, c'est parce que toi, t'es vraiment bon. Fait que... Ben, à ce moment-là, c'était nouveau, mais il y a quand même eu un éveil de faire comme... OK, c'est spécial ce qui se passe. Puis depuis ça, depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté. Donc là, le drum, quand il était pas installé, je demandais qu'il soit installé pour que... Puis j'avais... Mon père s'était enregistré souvent sur des cassettes. Fait que moi, je faisais jouer les cassettes. Je l'écoutais avec des écouteurs et je me réenregistrais dans l'enregistreuse avec un petit micro. Moi qui joue du drum dans le vide parce qu'on n'entendait pas la musique. Mais puis après ça, je m'écoutais puis je m'analysais. Fait que déjà là, j'avais comme... j'avais ce désir-là de devenir meilleur. Meilleur, ouais. Wow. Puis ben plus tard, ben, c'est la bass qui a pris le dessus un peu par manque de bassiste. Ben, manque de bassiste.
Ouais, c'est sûrement la raison, tu sais, parce que dans mes projets après ça, j'étais batteur souvent dans les groupes. Mais à un moment donné, quand Acouphène est arrivé au début. T'étais batteur, right? Oui. J'étais batteur. Puis là, on avait un ami qui essayait de jouer de la bass, mais du moins, il essayait quand même bien, puisqu'on a gagné la Brunante. Ah ouais. La Brunante. Puis là, c'est là qu'on a fait comme OK, il faudrait peut-être changer de membre pour trouver quelqu'un qui sait jouer. Ouais. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un gars qui a fait Poker Parcours d'Acouphène au Rod Swamp, on pourrait même dire de Gina à Mickey Mouse. Un gars que tu connais très bien, tu as passé, je te dirais, sa vie entière. Oui. Avec. Oui. Une édition toute spéciale, familiale. De quoi tu parles de? Simon Joly, ça va bien? Ça va bien. Merci les boys de l'invitation pour une deuxième fois. Mais là, au moins, on peut parler juste de moi puis pas des autres boys des rats. Pas de Yann qui tombe endormi sur des comptoirs au Subway. Pas de Martin Rochelot qui détrône tout avec tous ses contrats puis sa base puis son gros tone, tu sais. On peut parler de tes affaires à toi, Simon. J'ai réalisé quelque chose. T'es drummer. Oui. C'est, j'en connais deux. Je connais Simon. Oui. Je connais Noah Rivard. Oui. Puis c'est deux crinqués. Simon 2.0. C'est des crinqués de la vie. Oui. Des drummers, êtes-vous toutes de même? Genre, c'est comme les personnes les plus drôles qui ont pas rapport. Les bassistes sont souvent solennels. Réservés. Seuls. Réservés. Guitariste, c'est un peu le frontman, c'est la personne qui aime plus l'attention, le social butterfly, si on veut. Okay, après, ouais. Le drummer, c'est le gars qui va te sortir des affaires, t'es comme, man. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, mec, oh, que c'est drôle. Oui, 100%. Pourquoi que les drummers, vous êtes de même, ou c'est juste deux personnes que je connais qui ont pas rapport? Non, je pense qu'on est un petit peu tous de même. I guess que vu qu'on joue en arrière sur le stage, on a comme pas le choix de se démarquer de certaines manières. Ah. Fait qu'on choisit les bons mots ou les bonnes passes à la bonne place pour faire pour surprendre le monde. I guess, je sais pas. Sim, il y a du très bon crowd work en show. Oui. Quand à cause, t'as toujours un micro avec toi au drum, que ce soit avec les rats ou avec Joly. Puis quand tu décides de faire une intervention, c'est le gag du spectacle. Ouais, 100%. Genre. Comme j'ai vu les rats en show une couple de fois, j'ai vu Joly en show une couple de fois, puis chaque fois, je suis comme, my God, que Sim, il n'y a pas rapport, puis maudine que c'est drôle. Puis tout le monde part à rêve, ils sont comme, ah, oh, il y a quelqu'un en arrière là-bas. En plus de ça, il y a une personnalité. Eh ben. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est différent. Habituellement, les gens, les batteurs, en général, je généralise oui, ici, oui. Là, ils n'ont pas nécessairement un micro. Oui, des fois, ils vont chanter, mais ils ne vont pas nécessairement parler. Moi, je me souviens d'une époque où tu disais rien. Mettons, dans Acouphène, je me souviens plus que tu faisais les interventions. Je pense vers la fin, peut-être un peu plus, mais c'est plus venu avec les rats et avec Joly, ça. En spectacle, ben, je pense que dans le temps d'Acouphène, on avait quand même, tu sais, on avait Matt Leroux qui faisait beaucoup de crowd work, puis il y avait toi aussi, Marc, là. Oui. Mais surtout, Matt prenait quand même beaucoup d'espace, puis qui était correct, tu sais, parce que moi, j'en prenais pas, puis les autres faisaient toutes leurs choses. Mais je pense qu'il y a plus d'espace dans différents projets que je joue dedans. Tu sais, avec les ronds, on fait des chansons à répondre, fait que c'est sûr que comme. Faut que tu répondes. Party, fait que tu peux dire. Ouais, faut genre je réponde, tu sais. Fait que. Non, mais ça te laisse l'espace à, justement à dire des choses quand tu as le temps. Puis, tu sais, c'est pas à tous les spectacles que je dis de quoi. Puis en même temps, je pense, I guess, c'est bizarre, tu sais, t'es en arrière. Fait que le monde, ils savent même pas des fois que tu parles. Ils sont comme, c'est qui parle, tu sais. C'est la voix de Dieu. Puis là, le monde, sont comme, c'est qui parle, tu sais. Mais c'est ça, vu que t'es en arrière, t'es un peu, I guess, littéralement mis de côté, tu sais. Fait que le monde ne s'attend pas que tu vas dire des choses, là. Mais c'est quand même drôle que tu dis ça, parce que tu dis c'est qui parle, mais tu dois quand même conter des histoires à un moment donné qu'il y a du monde qui se trompait entre toi et Yann, le duc, le chanteur des Rod Swamp après les spectacles dans des festivals, parce qu'ils sont un peu plus loin, ils sont comme c'est toi le chanteur, t'es comme non, moi j'étais à batterie. Tu devrais dire oui. C'est incroyable ça. C'est quand même drôle. Je pense que plus que je l'entends, plus que je vais éventuellement dire oui. C'est le genre d'affaire que les premières fois, t'es tellement comme, c'est impossible qu'ils pensent que je suis Yann, tu sais. Oui. Comme, tu m'as-tu vu le frame? Tu sais, j'ai pas un frame comme Yann. Yann, il est large, il est un peu plus carré. Moi, ouais. J'ai juste un frame de chat, tu sais, je suis pas pantoute.
sais. Un frame de chat. Bon, c'était une expression familiale. Bon, hey. C'est un frame de chat. J'ai jamais entendu ça. Non, ouais. C'est bon pour quoi tomber de, des toits. C'est, non, je pense que ça veut dire un peu maigrichon, oh, si oui. On veut, là, tu sais. Un frame de chat. Ben, en parlant des rotswamp. Oui. T'étais dans les rotswamp aussi au début, Marc. Oui. Sim, t'étais là aussi. Puis j'ai vécu de la nostalgie il y a 3-4 jours de ça. J'étais allé dans ce fameux sous-sol d'église. Pour vrai? J'étais allé prendre... À une réunion? Non, non, pas d'alcoolique anonyme. Croyant que ce serait une place propice. Non, était prendre une bière. Fait que okay. Peut-être la dernière chose que tu fais dans un groupe de AA. Oui. Puis là, j'étais là puis j'ai fait « Man, Asie, vous avez fait un lancement d'album là. » C'est vrai que moi, j'ai aucune idée comment... Pacté. Oui, c'était pacté. Je me souviens pas comment c'est devenu ça. Moi, je savais que je me suis pointé, mais je faisais pas partie de ces décisions-là. Toi, Sim, tu t'en souviens-tu de ce lancement-là? Ben, tu t'en souviens, mais je veux dire, de comme quoi, ce round-là. On dit certes. Je me souviens de ce round-là, mais je me souviens pas comment ça a été... Ben, je guess que c'est Mart qui voulait faire un lancement, mais je me souviens pas comment ça a été booké. Je me souviens d'avoir fait les pratiques, toute la bande ensemble. Je oui. Me souviens d'avoir joué On a fait une Little pratique Lion chez Man, TV Rogers. Ah oh, oui, Little Lion Man qu'on a moffé un peu. ça, je me comme c'est comme tu sais c'est gravé dans notre mémoire. Pour ben c'est oui, quoi? C'est ben, gravé okay, dans ben, notre mémoire. Comptez l'anecdote là. Ben on jouait cette chanson là qui Little Lion Man, c'est une chanson. Oui. Lion Man oui. Comme homme lion. Oui. OK. Je comme Dodger, oui. Des fois, il faut clarifier des mots en anglais. Oui, oui ça, puis le fait qu'on a... Lion Man. Oui, puis l'affaire qu'on a plein de référents bizarres. So, je suis 100% d'accord avec toi. Oui. Mais, ouais, on jouait cette toune-là, Sim, puis je me souviens pas. Je sais que moi, je me suis trompé. Je pense pas mal sûr que toi, tu t'es trompé. Je pense que Yann s'est vraiment trompé dans les paroles. Mais je me souviens plus. Ben, c'est, avec raison, quoi. Parce que c'est pas une de ses chansons. Non, exact. Premièrement, fait que on l'avait pas pratiqué plus tant que ça. Peut-être 2-3 fois. Oui. Gros max. Puis, c'est ça, quand c'est pas ta chanson, puis la structure est un petit peu différente, puis c'est sûr que ça. C'est différent. Tu sais, comme le lancement a bien été, pour vrai, comme le spectacle a bien été, les tunes que nous, on a faites, se sont bien passées. Il y a juste. C'était tout le nœud qui est gravé dans notre mémoire. Comme, ça a passé de Lion comme, Man. C'était encore une joke avec les rats que quand faut qu'on écrit des sets, puis comme ah, il nous manque, mettons une toune, je dis encore qu'on va jouer Little Lion Man. Mais ça veut jouer une toune en anglais? Oui. Wow! Mais il en faut quand même quelques-unes dans leur set. Ah, c'est vrai, ça. Dans leur set, mettons, votre jeu à Disney, nous autres. Oui, il y a ça aussi, là. Il y a des tunes en anglais de Two Seasons, là, fait que c'est parfait. C'est ça. This next one is from the Two Seasons. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Rond-point, c'était un concours de musique. Mais non, on parle pas de ce rond-point-là. Aucun non. On parle de celui de Downtown Capestine. Le seul rond-point qui est vraiment important. L'invité d'aujourd'hui va être capable de nous le dire si ce rond-point-là a déjà servi à quelque chose, à part un mot de tête. Présentement à Disney, de quoi tu parles? De Brandon Giroir, ça va bien? Yes, ça va bien, vous autres. Yes. Toi, t'es rendu officiellement résident de Disney. T'as une carte. Je suis quasiment rendu là, oui. Pour vrai, cette année, est-ce que tu as passé plus de temps là qu'à la maison? Si on se dit 2023-2024, mettons. Oui, oui. Si tu considères les deux, ben, j'ai passé au moins 4 mois ici. dans... C'est ça. C'est absurde. Un tiers de mon année. Il sonne pratiquement comme un snowbird. Oui, c'est ça. Mais c'est quand je m'en vais à Disney. Mais j'ai pas la peau. Non. J'ai pas la peau d'un snowbird. Je suis encore bien blanc. Tu cherches l'ombre. C'est combien de semaines avec les retours? Vous avez fait 6 semaines? 8 semaines? On a fait 5 semaines. 5 semaines. Juste maintenant, là, au mois de mars jusqu'à début avril. Puis là, un autre 5 semaines, j'imagine, avec Gabby Country aussi. Un 4 semaines. Ouais, fait que... 4 semaines. Ça fait un total semaines. De 9 semaines. Fait que c'est 2 mois. Oh. C'est fou pareil. Oui. À penser que, de un, être à Disney, être à Epcot, c'est comme ridicule comme affaire. Aussi faire de la musique en français avec les Raffman, qui est votre version de show à Disney. Mm-hmm. Faire ça devant... des Américains et des touristes sont comme
C'est bon, je tape du pied, mais je comprends pas un mot qu'ils disent. C'est pour vrai, c'est incroyable le feeling de pouvoir le faire en français, pouvoir le faire dans notre langue natale, puis que la réception soit aussi positive. Yeah. Tu sais, les gens, on fait faire de la turlute à une gang d'anglophones, c'est beau à voir. Là. So easy. Ouais, exactement. Hey, ça, on peut-tu parler de ça? De Yann qui... Ou on sauve pour avec Yann. Alors, moi, je pense qu'il faut... Ben, on peut en parler un peu avec Brandon, mais il faut garder le plus gros à Yann. Parce que Yann, c'est un petit gars de l'Est ontarien. C'est un petit gars de Plantagenet. Oui. Puis je te dirais que le seul anglais qu'il faisait, c'était à l'école, dans son cours probablement appliqué d'anglais. Puis peut-être au Subway un moment donné, tu sais. Oh non, je te dirais tu fais servir en français. Mais je parle pas à Plantagenet, je parle à un autre Subway. Oui, dans un tournoi d'impro quelconque, ouais. À quelque part. À North Bay. De toutes les choses que Yann Baragouine en anglais, c'est quoi ta phrase préférée que t'as entendue pendant le séjour? Oh, puis là, il serait pas content, là, mais... Écoute, ça est arrivé dans la dernière run là, qu'on vient juste de faire. Puis dans une des premières runs, il avait traduit à la revoyure. Puis là, il savait pas comment le finir. Il dit à la revoyure, it translates to. Puis là, il me regarde, il est en train de snayer. Puis il fait juste comme bye bye. Puis il part la fin. Fait que là, on finit par y dire après, dis until we meet again. Oui, c'est juste see you next time. Part, oui, ouais, c'est ça, exact. Wow. Fait que là, ce fois ici, il part, puis là, ça va bien. Translates to until we meet again. Mais là, il s'embarque dans un rond-point, man. Tu sais, il dit, if you understand French, you'll understand the meaning, blah, blah, blah. And if you don't understand French, puis là, moi, je fais, oh, il est allé là. Puis là, encore, il me regarde, il est en train de snayer, il sait pas trop quoi dire. Puis il dit, well, we might apologize for that. We might. Pas juste, oh, we apologize. Peut-être qu'on va s'excuser. Oh. C'était absurde, c'était drôle, man, on riait. Mais Yann, là, c'est un être parfait. Il est incroyable, c'est un bon gars. Mais là, on a parlé trop de Yann déjà. Oui, vraiment. Fait que là, on va aller à Brandon, on va aller à la source de tout ça. T'as eu des auditions pour joindre les rats? Mais t'avais déjà fait de la tournée avec Marc pis Simon, fait que j'imagine que c'était juste... L'audition était faite à ce moment-là. Le fit naturel aussi. Là. Mais t'as-tu eu comme un sit-down avec les boys, soit comme... Salut, moi c'est Brandon. Voici mon CV. Voici mes références. C'est Marimé. Oh, bon boy. Non, tu sais, ça s'est fait vraiment, vraiment naturellement. Faut dire que les gars, je les connaissais déjà. Mm. Yann, Pat, c'est tous des gars que j'avais côtoyés dans le passé. Yann, drôlement, je le connaissais depuis les Quand ça nous chante en milieu secondaire. Tu sais, on s'était croisés dans ces événements-là. Fait que tu connais son groupe Zaccord. Oh, ouais, oui, avec sa grosse guitare orange. Mais c'est ça, puis évidemment, Martin avait fait de la tournée avec moi, Simon aussi, ça fait que, mettons, il savait de quoi j'étais capable, puis de quoi je pouvais potentiellement ajouter au groupe. Ça fait que ça s'est fait super naturellement, même que le premier show que j'ai fait avec les rats, ça s'est fait... Je suis même pas sûr qu'on avait fait une répète avant. Moi, j'étais à Kapuskasing, j'apprenais les chansons de mon côté, puis ça s'est quand même très bien intégré. C'était pour une Saint-Jean à Ottawa, en première partie de Marc Dupré. Marc Dupré faisait l'after encore, de Brand. De Brandon. Mais Brand, ils sont... Moi, j'appelle ça... Celle-là, c'était des rats. Moi, j'appelle ça le Brandon Giroir Band. Oui, je comprends. Les Rats Swamp. Les Rats Swamp, c'est le Brandon Giroir Band. En parenthèse à côté. Là, les Rats Swamp. Ouais. Puis après ça, il y a une autre parenthèse, les Raffman, quand ils sont à Disney. Aussi. Je comprends. Double parenthèse. Oui. Oui, c'est important. On fait des parenthèses carrées dans parenthèse... Bracket. Oui. Le bracket dans la parenthèse francophone. Brand, il a l'air confus. Il a l'air comme s'il vient de faire un anévrisme à nous écouter. Ah, oh, man. Mais t'as du Brandon Giroir Band, puis c'est une autre parenthèse à part, ça. Oui, c'est ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On reçoit le cowboy des Rats Swamp aujourd'hui, le lead singer, le frontman, revenu d'un voyage à Disney avec plusieurs nominations au Ottawa Capital Music Awards. Et puis là,
Il y a même un petit studio chez lui à Plantagenet. On découvre tout ça aujourd'hui. De quoi tu parles, de Yann Leduc? Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, oui. Comment tu te sens d'être le dernier Rotswamp qu'on invite? Je me sens choyé. Je me sens comme si au moins vous ne m'avez pas oublié. Yann Media Train, je me sens choyé d'être le dernier à ce podcast. Ben oui. Ah, c'est voyons. Parfait, ça. J'aurais pu pas être là pantoute. T'étais aussi le premier parce que t'étais dans. Là, avec. Ouais. Avec Sim. Avec Sim et. Non, juste Sim. Juste Sim. Pat était supposé être là. Mais il est déjà venu deux fois. C'est vrai. On a fait un spécial Les Rats. Oui. Avec toi, Mart, puis Pat, je pense, qui était là aussi. Me semble. Pat, je me souviens plus. Anyways. Faut avoir regardé dans la liste. Mais ouais, ça fait comme deux fois que tu viens. Je sais que Yann était dans le char proche de l'Indépendant sur Oklahoma. Oui, c'est vrai. Ça, je me souviens. Ah oui, c'est vrai. C'est comme entre le Tim Horton et le LCO. Ouais, oui. Tu venais de te faire donner une coupe de cheveux à part de ça, je pense. En tout cas, ouais, beaucoup de détails, aller. Zéro important aujourd'hui pour parler de toi. Mais justement, tu reviens de Disney. Vous avez fait 4 semaines là-bas. Est-ce que tu peux nous dire un de tes meilleurs exploits d'entretoun? Ah, Simono. J'imagine que vous avez parlé aux autres gars. On a parlé à Brand, oui. Ben, écoutez, certains d'entre vous connaissez mon anglais. Honnêtement, il est pas si pire. Non, quand il est super bon, quelqu'un sur un chantier de construction, c'est pas si pire. Mais quand vient le temps d'être spontané et d'être politically correct, c'est difficile de sortir du stuff qui vient pas. Parce que ma tête, elle pense en français. Right? Oui. Je traduis à mesure que ma phrase elle avance. Oui. Puis, oui. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ça donne des affaires là, que j'essaie d'oublier. Ah, mais, c'est rien d'atroce. C'est ben juste, non. OK, ça, là, je leur dirai pas. T'sais. It means bye-bye, c'est quand même pas pire. Oui. Ouais, ben, tu sais, ça fait rire les boys aussi. Puis oui. Je dis pas que je fais exprès de faire rire les boys, là, loin de là. Mais tu sais, c'est des petits insights qui reviennent contre moi. C'est régulier, c'est assez drôle. En préparation à l'entrevue aujourd'hui, sur YouTube, il y a plein de vidéos de monde qui vont à Disney, à Epcot, qui filment les spectacles. Oui. Je me suis tapé comme 3, 4, 7 des rats au complet, puis je scrollais pour les entretunes, genre pour trouver. Je vais s'empoigner un. Oh, wow. Un soundbite de Yann qui baragouine quelque chose, j'ai rien trouvé. Fait que j'ai. Yes! Fait que j'ai écouté environ 1h30 des rats de faire le même show. Juste pour avoir peut-être nice. Un entretoune de pour Yann. Un gag. Mais en sa défense, là, Yann, là, il était très bien en anglais. Ben, aussi. Oui, oui. Ouais. Ça n'a même pas rapport, exactement. Mais il est habitué de faire toutes ses entretounes en français, ouais. 99% du temps. Ouais. Là, il faut qu'il les fasse en anglais. Puis là, évidemment, il y a un patois. T'as un patois dans la bouche par rapport à vos tounes, vos affaires, comment tu le parles. Mais là, ça prouve un peu comment que ce côté-là, culturellement, il est difficile à changer, puis il est tellement unique, n'est-ce pas? Exactement, parce que la majorité de nos entretounes, nous autres, à Rotswamp, on joue sur le folklore traditionnel et la tradition, puis il y a des expressions qui ne se traduisent juste pas. Non, c'est ça. Quand tu dis « où ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir », là, ça c'est difficile à expliquer en anglais, OK? Mais, ça va sonner bizarre, je pense. La première fois, ben, c'est ça. Tu sais, mettons, au début, là, j'étais sur le stage, puis on disait « A good friend never let another good friend dance by themselves », mais c'est comme, c'est bien trop long comme phrase, puis qu'il y a bien trop de marge d'erreur quand t'es sur le stress, quand t'es sur l'adrénaline, t'es craqué, tu sais, c'est un show qui bouge, ben pis, oui. Il danse sur tous les shows de soir. Fait que non, j'ai sorti toutes sortes d'affaires, mais tu sais, rien de désagréable majeur, là. T'as-tu suggéré un autre film bizarre aux boys? Un autre film bizarre. Vous me faites peur. Là. Vous me faites peur. Non, moi, j'ai perdu mon droit de choisir des films quand on est ensemble. Yeah. Depuis Cowboy de mal, douche. J'ai comme le patron de choisir des films poches sans m'en rendre compte, sans le savoir. Je suis pas un gars de cinéma. Je connais pas les acteurs, je connais pas rien. Fait que moi, je roule sur Netflix, puis à chaque soir, c'est les gars différents qui choisissent un film. Puis là, on arrive à mon soir. Puis là, on est sur Netflix, puis là, je regarde ça. Je fais, moi, il me semble que je feel comme un film de cowboy. Anyway, je mets ça, puis
C'était très poche. Là. Il y avait du Foley, puis ça matchait même pas les pas de cheval. Là. C'était dégueulasse. En même temps, ça l'a fait probablement une soirée très drôle et parfaite. Là, fait que, dans le fond, c'est peut-être le meilleur film que tu choisis. T'sais, parce que tout le monde parle de ça, mais vous parlez pas des autres bons films que vous avez écoutés. Fait que dans le fond, c'est peut-être toi qui devrais toujours choisir les films. Moi, je te suggère de proposer ça. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est une grosse responsabilité, par exemple, parce que tu sais, après que tu en choisis un bon, c'est dur de topper ça, tu sais. Mais, ouais, je vais me réessayer. Ou pique-toi une série de films, genre interminables, comme des Star Trek. Tu sais, il y en a comme 42. Oui. Tu vas juste toutes les écouter. Back à back. Back à back. Je vais proposer ça à prochaine shot. Choisis une série, c'est encore pire. On écoute ça. L'épisode 1. Un de 40 000. Game of Thrones. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Mais là, les festivals s'en viennent. Les prix de la musique de la capitale s'en viennent. Exactement. Nommer les groupes de l'année aussi. Toi, de ton côté, le fait que ça soit un événement bilingue puis que vous soyez reconnu comme groupe, comme chanson primée. Parce qu'on sait qu'Yann est très bilingue aussi. Ben, on l'a mentionné depuis tantôt. Yann, il est très bilingue. Moi, je confirme. L'anglais de Yann est parfait. Les entretunes, c'est une autre affaire, mais c'est tout pour son amour de la langue, OK? Il fait juste faire un show, il fait en sorte que le show il est meilleur. Moi, je suis sûr qu'il fait exprès près, Yann, pour faire ça. Mais pour vrai, que justement, c'est que ça soit... C'est ça, hein, Yann. Merci. Moi, je t'ai compris, mon chum. Tu peux m'engager, je vais être ton rationaliste de presse. Thank you very much.